Juillet 2020 aura les vortex de Gaïa. Parce que ce qui trahit énormément les reptiliens, les religieux, c'est qu'on a vu sur ça. Quand les religieux, de tout ce qu'on vous montre sur Internet, ils vous parlent de vortex, mais il faut comprendre que vortex de Dieu n'a aucun lien avec les reptiliens. Vous, de ce que vous parlez, les sales putes, les religieux du Christ, les reptiliens, vous, vous parlez des ovnis. Et les ovnis, c'est vous. C'est vous, les reptiliens. Donc les nazis, les sales putes. Et j'ai montré la preuve sur ça. C'est comme ce nom gourou. Gourou est lié à vous. Vous n'avez aucun lien avec vortex de tout ce que vous racontez. Vous créez que des mensonges. On le constate sur ça. Donc vous de la lumière, il faut bien expliquer sur ça. Donc ici, nous sommes là sur Terre. Nous sommes entourés. Nous sommes avec des putes, des bêtes reptiles, des démons, des tueurs, de tout ce qui est démon. Donc nous sommes avec eux. Mais il faut comprendre. Donc ici sur Terre, à l'enfer du Christ. Mais là, il faut comprendre, on voit très bien que quand il y a la lune de Dieu, et on voit aussi, souvenez-vous que j'ai montré sur le météore vert et aussi sur l'arc rouge. Donc on voit, il y a quelques signes de Dieu, donc on voit au ciel, on voit. Mais là, il faut comprendre qu'on verra sur les autres, sur ce qui définit le monde Horus, on verra la vérité avec les vortex. Vous commencez à mieux comprendre sur ça. On verra de plus sur Dieu avec les vortex de Dieu. Mais là, il faut comprendre que vortex n'a aucun lien avec de tout ce qu'on vous parle. OVNI, la NASA, Marduk. Marduk n'a aucun lien avec vortex de tout ce que vous racontez. Vous, quand vous parlez, en réalité, vous cachez que vous parlez de votre dimension 666 et qui n'est pas de Dieu. Votre dimension démon, c'est de ça que vous parlez. Surtout que ce qu'elle est trahi, c'est surtout la preuve absolue qu'à leur religion reptilienne de Marduk, il y a la preuve sur le cube noir. Vous avez bien le cube noir sur Terre. Hein. Donc c'est ça qui vous trahit. Depuis quand existe un cube noir au monde de Dieu? Ça n'existe pas ça, un cube noir au monde de Dieu. Ça c'est vous qui créez. De tout ce qu'on voit ici sur Terre, le cube noir, de tout ce qui est démon. C'est comme les fausses couleurs avec votre bête, la pute chimique, la bête reptilienne de la religion. Donc tout ça vous trahit. Le 11 juillet 2020 aura les vortex de Gaïa. Donc on verra les vortex de Gaïa. Et vous avez compris, c'est des mensonges qui vous ont montré. Les ovnis, les reptiliens, n'ont pas de vortex, tout ce qu'ils racontent. Il n'y a pas de vortex avec eux. Tout est faux. Vous commencez à mieux comprendre sur ça.